It's gone. It's gone. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon haul. Les achats qu'il y a dans ce haul, ils datent de dans les 3 derniers mois, en comptant aussi mes cadeaux d'anniversaire puisque c'était il y a à peu un mois. Les 3/4 des articles que j'ai achetés ont été effectués au Japon. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous prévenir qu'il n'y aura aucune affaire de beauté. Un sac, des paires de chaussures, des vêtements et une coque à iPhone, mais niveau beauté, j'ai rien acheté parce que j'ai besoin de rien et que je passe ça. Enfin, moi ça m'intéresse pas trop de le mettre dans mes vidéos. Donc on commence tout de suite. Pour commencer, j'adore la marque Champion. Et au Japon, j'ai trouvé un t-shirt Champion avec le logo sur le côté. Et vous verrez, il y a beaucoup de t-shirts dans ce haul parce que j'avais plus trop de t-shirts. C'est pour ça que j'ai acheté surtout ça. Et en bas à gauche, il y a l'étiquette d'authenticité et il est vraiment super bien, la matière trop agréable et tout. Je l'adore. Et j'ai acheté aussi 3 paires de chaussettes Champion, donc grises, blanches et noires. C'était dans un magasin d'enfants, donc comme je fais des petits pieds, ça va. Au lundi, on dirait que c'est tout petit, mais c'est comme ça. Enfin, ça s'étend quoi. Je suis allée chez Bape, donc dans ma vidéo haul, mon dernier haul, je disais que je voulais un gilet Bape. Que j'ai eu, donc voilà mon petit bébé. Donc il est comme ça, avec la capuche en camo, et il est vraiment trop beau. Enfin, je l'aime trop. La qualité, c'est une dinguerie. Voilà, je l'adore. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que j'en avais un parce que j'en ai mis des photos tous les jours. J'ai acheté 2 t-shirts au Japon. Donc Bape, c'est une marque japonaise, donc c'est beaucoup moins cher là-bas. Par exemple, un gilet qui en France est à 350 €, là-bas il est à 150 €. Donc voilà, pareil pour les t-shirts. En France, je crois qu'ils sont dans les environs de 150 €, là-bas ils sont à 40 €. Donc j'étais contente, mais j'en ai acheté que, enfin que, j'en ai acheté 2. Donc le premier, il est comme ça, il est blanc avec le logo Bape en camo rose un peu. Je l'adore, donc ça c'était un peu plus féminin, et j'en ai pris un plus masculin avec noir, avec un rond, et pareil avec le logo, mais là, avec la couleur basique, et je les adore. Je crois que niveau t-shirt, il n'y a pas la meilleure qualité qu'elle, et donc il y a les petites étiquettes sur les manches qui représentent la marque Bape quoi. Ensuite, je suis allée dans une petite boutique je m'en rappelle plus le nom, une petite boutique japonaise voilà, et qui n'a pas vraiment de nom, où je me suis acheté un pantalon comme ça, plutôt bizarre la forme, mais j'adore, avec des Birkenstock ou un petit pull même, enfin j'adore. J'ai acheté 2 t-shirts d'été, un blanc comme ça, côtelé un peu, blanc transparent. Alors comme ça on dirait, mais il n'est pas énormément décolleté, et sur un maillot de bain ça va. Et un gris toujours côtelé, chiné, dos nu. Ça c'est totalement dos nu. Ensuite, je suis allée chez Monki où j'ai acheté un pull le plus agréable du monde. La matière, on dirait du cachemire, mais c'en est pas. Je sais qu'il y a un peu de laine dedans, il était pas très cher. Je me rappelle plus les prix, je vous les mettrai là. Et toujours chez Monki, je me suis acheté un porte-monnaie parce que j'en avais pas pour la rentrée. Il est tout simple en croco, faux croco, un noir. J'adore comment il est conçu, on va dire. Il est hyper léger, donc ça c'est bien. Ensuite, je suis allée chez Zara, cette fois-ci c'était en France, où j'ai acheté 2 t-shirts comme ça. Le noir, je le portais dans ma vidéo FAQ. Donc c'est 2 t-shirts simples, hyper pratiques, pareil pour l'été avec un short, ou voilà, c'est hyper simple et cool. Ensuite, j'ai acheté un autre t-shirt, c'est du coton, mais ça en fait un peu crochet, style laine, je sais pas comment expliquer, noir, il est vraiment, il est basique, il est simple, mais il est bien. Et j'ai acheté 2 jupes, une jupe bleue patchwork en jean, qui est super belle, j'adore la coupe, pareil avec des Birkenstock l'été, je trouve ça trop beau. Et une jupe en daim que j'avais portée dans ma vidéo
Morning Routine avec des Doc Martens, mais ça va vraiment avec tout. Ensuite, je suis allée chez Comme des Garçons. Donc c'est une marque japonaise qui est chère en France mais qui est pas chère là-bas. Donc c'est un peu comme Bape. En France c'est 120€ le t-shirt, là-bas il était à 30-40€. Il y en a un qui est dans la machine à laver, donc je vous ferai une petite vidéo avec, mais je vous le montrerai pas là. Donc le premier, donc moi j'ai pris dans la gamme Play. Donc Play c'est cette collection, c'est avec le cœur. Sinon il n'y a pas de cœur dans les autres hein. Donc j'ai pris avec le gros cœur à l'envers sur un fond noir blanc et avec écrit Play comme des garçons. Et donc l'autre est avec un gros cœur rouge et le petit logo rouge aussi dans le cœur rouge comme des garçons. Il est simple, j'ai vu que ma lisseuse elle l'avait, j'étais contente, on s'en fout. Et après je suis allée chez Adidas où j'ai acheté un legging noir tout simple avec écrit Adidas sur la jambe droite, gauche, droite. Il est vraiment bien pour le sport, j'aime bien. Et un autre legging qui lui date vraiment, mais je ne sais plus si je voulais le montrer en haul en fait. Je crois pas. Avec des montagnes, etc., des paysages. Et les trois bandes Adidas sur le côté, pareil pour le sport, il est vraiment cool. Toujours chez Adidas, je me suis acheté une coque iPhone. Donc ça c'était au Japon que je l'ai acheté. Je suis allée dans la plus grande friperie de l'île d'Hokkaido. Donc l'île d'Hokkaido, c'est l'île au nord du Japon. Et c'était incomparable avec les friperies françaises. Là, c'était par marque, ça sentait pas le renfermé, le grenier chelou. C'était vraiment le bonheur. Alors je me suis acheté un t-shirt Bape hyper vintage et tout, des toutes premières collections, donc jaune pétant avec écrit Basing Ape en plein de couleurs et je l'adore. C'est la meilleure trouvaille de ma vie, je le trouve trop beau. La meilleure affaire que j'ai fait, c'est ce sac, donc Tommy Hilfiger, un basique hein, que plein de gens ont, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être aussi. Avec il figure sur le côté et tout, trop beau, à 15€ au lieu de 150 en magasin je crois. C'est environ ce prix, il était à 15€, donc j'étais trop contente. Il est vraiment en hyper bon état, il y a juste une petite tache là, on le voit à peine. Et en tout cas, je l'adore, enfin bref, il est top, 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 top. Je me suis acheté deux vestes, donc toujours dans cette friperie. Un gilet fila avec dans le dos écrit... Fila est une phrase en italien. Sur le côté, il y a aussi le logo Fila. Il y a sur la capuche, il y a sur la manche. En bref, vous le voyez partout le Fila quoi. En tout cas, il est trop agréable. Vous l'avez peut-être vu dans un de mes derniers articles. Je le porte. J'ai acheté une veste Adidas en kaki, en matière un peu veste de militaire. Sur le côté, il y a les trois bandes encore et elle est trop belle, j'adore. Ensuite, on va passer aux paires de chaussures. Donc déjà, j'ai gagné un concours Instagram. Je vous mettais dans mon as les chaussures que je voulais. Et bien, autant vous dire que j'ai acquis les trois paires de chaussures que je voulais. Donc je suis la plus heureuse du monde. Bon, encore dans ma tête, il y en a 10 000 autres paires de chaussures. Mais c'était vraiment les trois que j'avais citées dans ma FAQ et que j'ai eu après. Donc déjà, j'avais participé au concours... Monsta Group ou Maison Totem où il faisait gagner une paire de sneakers slide, donc on pouvait choisir entre blanc et noir. J'étais trop contente, donc elles sont vraiment top. Moi je les mettais surtout la nuit parce que ça fait un trop bel effet la nuit. Et en fait ce qui est trop beau c'est que la semelle elle s'illumine par quand sur un bah sur comme c'est noir la nuit hein, comme c'est noir la nuit hein. Elle s'illumine par terre et un peu autour de la chaussure, ça illumine le sol, je sais pas comment expliquer. Et à moi, je mettais surtout la couleur blanche et ça faisait trop beau. Et j'ai vraiment adoré, j'ai fait un article avec, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos. Et voilà, je suis trop contente. J'ai acheté les Air Max 95 que j'avais également mis dans ma wishlist chaussures. Par contre moi je les voulais en Halloween, mais celles-là aussi sont trop belles. Donc ça c'est les néons, c'est la couleur originale, la première qui est sortie je pense, oui je crois. Et je les adore, donc ça c'est le modèle femme. C'est spécial hein, comme basket, ça fait gros aux pieds et tout, mais moi j'adore. Et voilà. Et enfin mon cadeau d'anniversaire, donc c'est le seul que j'ai eu mais... ça me suffit amplement, c'est beauté. Donc c'est les Margiela,
que j'avais aussi également mentionné, je crois, dans ma... Je sais plus si je les avais mentionnées. Mais en fait, si je les avais pas mentionnées, c'est qu'elles étaient tellement impossibles pour moi de les avoir que... Voilà, mais je les adore. Donc c'est le modèle Replica. Donc Replica, ça ne veut pas dire que c'est une réplique des vrais Margiela, hein. Ça veut juste dire que c'est le modèle. Enfin, elles font un trop beau pied, elles vont avec tout, elles sont de qualité. Et enfin, on va passer au t-shirt que j'ai reçu en collaboration, on va dire. Donc déjà, j'ai reçu le t-shirt Les Envoyeurs Parisiens. Donc je vous avais mis une photo sur Instagram, je crois, oui. Il est... la matière est trop agréable, alors vraiment. Le logo, donc comme c'est leur premier t-shirt, ils mettent le logo qui d'ailleurs ne va plus être Les Envoyeurs Parisiens mais Les Envoyeurs seulement, qui est simple mais beau. On peut pas commencer tout de suite avec des trucs extraordinaires, c'est pour ça qu'ils commencent avec seulement le nom de la marque. En tout cas, il est hyper agréable, c'est une matière 100% coton. Alors ça va avec tout, Superstar Stan Smith, les Monster Group, les Margiela, ça va avec tout. Aussi reçu ce t-shirt, donc ça c'est la marque d'un ami. Donc la marque c'est Kujianchi, donc je vous invite à aller voir sa marque pour comprendre ce que ça veut dire, parce que je trouve que c'est vraiment cool le sens de ce que ça veut dire et tout. Enfin bref, je sais pas si vous m'avez compris, j'espère. Il est hyper agréable. Alors ce que j'adore surtout, c'est que souvent quand on prend ce genre de t-shirt, quand on dit par exemple une fille qui veut une taille S, ça lui arrive aux cuisses alors que là ils sont hyper bien coupés. Quand c'est S, ça arrive là où il faut, enfin ça va pas plus long, etc. Donc c'est ça qui est bien et je trouve que ça manque de t-shirts comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo pour que je note et que je sache. Il y a certainement une vidéo favorite qui va bientôt arriver. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous.